Et on est parti les amis, juste avant la dernière mission, on va faire la fin méchant. On va voir ce que ça fait d'avoir la fin méchant. C'est parti. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. J'ai ma barre pour le boss, oui. Je me demande si Ranrock est ici. Allons-y. Alors on fait évidemment la mission en entière, comme ça au moins on revit un peu le truc. Si ces fidèles sont ici, ils ne doivent pas être bien loin. Nous avons connu pire, professeur. Je te suis, professeur Fig. Heureuse nous barre la route. Nous devons la faire bouger. Je m'en occupe. Un instant. Allons-y. Let's go. Deux trolls. Je vais garder les LR1 plutôt. Là, professeur. Professeur, ce mur, c'est parti. Quelle perspicacité, jeune élève. Répétez le mur, monsieur le professeur. Je crois que vous avez. Boum! Je ne m'arrête. Ouais, je suis trop puissant, quoi. Si, monsieur le professeur. Par ici. Go. Ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Ne les pas. Nous allons bien nous occuper d'eux. Ils tiendront. Let's go!
sommes au cœur du combat. Nous allons montrer ces créatures qui commandent. Vous arrivez à point nommé, professeur Eckhart. Merci. Quelle arrogance. Boum! 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 Andoloris! Attention! Un autre troll! C'est encore pire que les deux derniers! Ah ouais? Dégage la racaille. J'ai envie de mourir. Compringo. C'est un plaisir de vous avoir avec vous, professeur Charles. Il fait bon. Je ne pas de petit bien. Je peux pas le tuer là? Vraiment, quand je me mets en pétrifix toute la nuit, ça le tue, mais là ça le tue pas. Va falloir attendre un peu. Ils deviennent gens. Voilà, ils deviennent méchants. Voilà. Let's go! Non, aujourd'hui, il ne faut pas faire le 100% pour cette mission. C'est la dernière mission du jeu, celle-ci. Je joue plus trop à E7 en ce moment sur Pitch. Je reprendrai quand Guard Legacy sera fini. Arrivé avant Ranrock. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée. Et c'est ici que vous faites le choix. Et c'est pour cela que Myriam, gentil, Georges, votre ami Lothlock et bien d'autres sont morts. Myriam pensait et que ici cette que ça compte. Hein. Tout ce que vous avez fait pendant tout le jeu ne compte pas. Bien, mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire? Ah, cette question-là détermine... Alors j'ai l'intention de le garder ici, c'est ce que j'ai fait, c'est gentil. J'ai l'intention de l'ouvrir, c'est méchant. J'ai décidé d'ouvrir le dépôt. Son pouvoir ne peut pas rester inactif un siècle de plus. Même après tout ce que vous avez vu? Il a faim d'Isidora. Donc là, c'est pour te dire oui, tu veux vraiment faire ça. Donc vous avez raison, ça veut dire que tu redeviens gentil.
pouvoir ne devrait pas être tenu à l'écart de ce monde. Je vais me parler de ce pouvoir. On va faire ça. Isidora a gâché son don en essayant de sauver les personnes d'elle-même. Je ne laisserai pas les autres me dicter ce que je dois faire de ce... de mon pouvoir. Je ne peux pas le croire. Vous savez pourtant mieux que quiconque toute la souffrance et le malheur qu'il peut engendrer. Voilà, moi j'ai fait le choix méchant. Il y avait un choix au milieu, je sais pas trop ce que c'était. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrock. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien ensemble. Elle non plus n'a pas su s'avouer vaincue. Alors je vous préviens, il y a des fois des petits problèmes sonores où ça parle très très bas et après ça remonte tout en haut, c'est un peu bizarre. Ça arrive quelques fois. Donc là je vous préviens, on peut se faire one shot dans ce combat. Donc vous soyez pas surpris si je me fais one shot, je suis en difficile donc je me prends un souffle dans la gueule, je peux mourir. Oh, une fois. Je vais garder les R1 je pense pour le combat final. Bah, tu vois, ça m'a presque one shot. Ça, on va faire plusieurs étapes. Je vais garder les sorts. Ah merde, j'ai pas vu. Le R1 il sort jamais. Voilà, merci. Là j'économise mes pouvoirs en bas. Une boîte ou deux. Pas compris mais ok. Pas de soucis. Oh genre. Il faut le R1 de préférence mais il ne fait qu'il sort jamais. Ok. Merde.
bloqué encore une fois, je pense. Ah putain! T'as pas de potion là en vrai. Ouais, j'ai perdu beaucoup de potions. J'en ai bu une à la fin pour rien. C'est compliqué avec 8 potions pour la fin, mais vas-y hein! Il y en a une là. Nickel. Près de moi de préférence. Et voilà, j'ai gardé les R1. Ok, il n'y a pas Fig à la fin du coup. D'accord. Je suis méchant, oh là. Par contre, si c'est que ça.
professeur Eleazar Fig. Je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissances lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu. Souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalée que par son dévouement envers Poudlard. Et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Oui. Oui. Le professeur Fig représentait le meilleur en chacun de nous. Oh, il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant qui aimait faire des découvertes et... il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Fig... eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire. En affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Au professeur Fig. J'arrive pas à croire que nous avons perdu Fig. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu hommage à Fig. Ok. On se souviendra de lui, en bien. J'aurais aimé que la même chose soit faite pour mon oncle. Ouah, ça change pas grand chose, hein. Je me demande s'il y a une chance que Anne accepte de me voir. Sébastien, je ne peux pas... On se parie qu'à d'habitude. Sébastien, j'ai entendu dire que vous... C'est vrai. Oui, on lui dit la vérité, machin, un truc bidule, incompris. Ominis a parlé à Anne. Voilà, on s'est, là on l'a déjà vu. Donc il y a rien qui change. Enfin, juste on se comporte de la magie, on a les yeux rouges, on est très méchant, oulala, je suis très méchant. Et c'est tout en fait. Genre, il y a rien de plus. Ah, cette fin méchant est très décevante. Et ok, c'est que ça. Bon. Et ben c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Ok. Ouais. Mouais.